matin et bienvenue à l'Église Le Portail en ligne. Mon nom est Edelin Denis. Je suis un des pasteurs sur la belle équipe de l'Église Le Portail et mon site local est celui de Terbonne. Nous avons une belle célébration qui prend place aujourd'hui. Alors que notre site de Sainte Stage célèbre ses cinq ans d'existence avec la grâce du Seigneur, nous continuons de prier ensemble pour l'œuvre de Dieu. Non seulement à Saint-Eustache, mais aussi sur tous nos sites, puisque notre église est une seule église, mais représentée sur quatre sites Laval, Terrebonne, Saint-Eustache et Abitibi. Très bientôt, nous ouvrirons notre cinquième site situé à Montréal-Nord. Merci pour vos prières. Notre mission est la suivante aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Alors, si tu désires en savoir plus, ou connaître nos horaires et emplacements, je t'invite à visiter notre site internet au www.edisleportail.com. Avant d'aller à la prédication ce matin, permettez-moi de vous faire une invitation pour notre rassemblement du vendredi saint qui se tient ce vendredi le 7 avril. Deux options s'offrent à vous soit assister à 16h30 ou à 19h30. Au programme, il y aura de beaux spéciaux musicaux et un super message de la personne et de l'œuvre de Jésus par le pasteur Guet Brassard, pasteur principal de notre Église. Veuillez noter qu'un service pour les enfants est également offert. Cette soirée est une belle occasion pour inviter parents et amis à entendre la bonne nouvelle de Jésus. Sans plus tarder, écoutons le message de Jésus. Salut Église Le Portail, mon nom est Simon, pasteur responsable des ados ici à l'Église et aujourd'hui, notre message est un hors-série. Mais afin d'introduire le sujet du message, laisse-moi te raconter une histoire, en fait, une tranche de vie. Quand j'ai reçu l'appel d'être pasteur, eh bien, j'ai dû aller faire des études en théologie. Je suis allé à ITF. L'ITF, c'est notre école de Bible de notre famille, de notre regroupement d'église. Et à ce moment-là, lorsque je suis allé prendre des cours, je voyais et je percevais l'école ITF un peu comme un passage obligé, comme un mal nécessaire pour devenir pasteur. Je n'avais pas le désir de faire ces études-là. Et je dois l'avouer, je suis rentré sur un ton très prétentieux à l'école ITF. En fait, moi, je suis rentré en me disant, c'est juste une formalité, donnez-moi là le plus vite possible le papier qui va enfin faire de moi un pasteur, parce que là, moi, j'ai des choses à brasser, il faut que je fasse avancer le royaume de Dieu. Je, 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 je l'assume, c'est une attitude très orgueilleuse dans la façon que je suis rentré à ITF. Moi, je suis rentré à ITF en me disant, dans le passé, il y a eu l'apôtre Pierre, ensuite à la réforme, il y a eu Martin Luther, maintenant, tassez-vous pour Simon de la Naudière. Moi, c'est l'attitude que j'avais quand je suis rentré et j'ai frappé... Un mur. Dieu m'a vraiment repris. J'ai vécu des échecs dans mes premières sessions. J'ai trouvé ça difficile et ça m'a obligé à m'arrêter, à m'asseoir et à réfléchir sur ma situation. Dieu a brisé mon orgueil. Dieu m'a fait réaliser aussi que Sa parole était sérieuse. Il fallait la prendre au sérieux. Et il fallait non seulement prendre la parole au sérieux, mais aussi le ministère de berger. Le peuple de Dieu est à prendre au sérieux. La parole est à prendre au sérieux. Être un berger du, roi, du, du peuple de Dieu, c'est à prendre au sérieux. Et non seulement Dieu m'a Appris ces choses-là, mais il m'a aussi permis de me découvrir davantage moi-même. J'ai découvert et développé des facettes de ma personnalité que je n'aurais jamais cru avant d'avoir vécu ces contrariétés et ces échecs de ma vie. À l'époque, je voulais simplement être un pasteur, mais ensuite, j'ai découvert à ITF une passion pour la théologie, pour l'étude de la Bible et des choses de Dieu. J'ai découvert une passion pour la lecture que je n'avais pas auparavant. Et jamais je n'aurais cru, avant d'aller à l'ITF, qu'aujourd'hui j'aurais fait des études supérieures, que j'aurais fait une maîtrise, que j'ai une passion pour l'étude de la Bible et je lis continuellement sur la Bible, je, que j'aurais je, jamais cru qu'un jour je serais même un enseignant de la parole de Dieu, que j'enseignerais même à l'ITF, jamais j'aurais cru cela, que j'écrirais des articles, que je projetterais d'écrire un livre, peut-être même faire un, un doctorat. Si quelqu'un m'avait dit ces choses-là avant l'ETF, je ne l'aurais jamais cru. Non seulement Dieu a travaillé mon caractère, a peaufiné mon appel, mais il m'a aussi développé dans ma personnalité. Et tout ça est né d'un mur que j'ai frappé, d'un moment d'échec, de stress frustrant, d'une con contrariété que j'ai vécue à un moment dans ma vie, dans mes études. Et ce que je veux te faire réaliser, c'est que bien souvent dans notre quotidien, nous, à différents niveaux, bien sûr, de petites contrariétés frustrantes, de petits conflits jusqu'à de grandes souffrances, à différents niveaux, nous vivons toutes sortes de contrariétés continuellement dans notre quotidien. Et le réflexe humain naturel, c'est de vouloir les éviter et les évacuer le plus vite possible. Mais malheureusement, ce qu'on apprend dans la parole, c'est que quand on, on accueille ces contrariétés avec le regard de Dieu et qu'on permet à Dieu de travailler dans nos vies à travers ces contrariétés, il est capable de produire des choses dans notre vie qui vont nous faire avancer là où il veut nous faire avancer. On veut trop souvent évacuer les contrariétés, mais quand on fait ça, on peut passer à côté de ce que Dieu veut faire et là où il veut nous amener. Et c'est pourquoi on a besoin de découvrir ensemble, et c'est le titre du message aujourd'hui ensemble. On a besoin de découvrir cette vérité qui est dure à partager ce matin, et qui parfois est dure en tant que chrétien à recevoir, mais cette vérité, c'est le titre du message. Nous allons voir ensemble la bonne nouvelle. Derrière nos contrariétés. Toutes les contrariétés que tu peux vivre, il y a une bonne nouvelle lorsque tu les atteins en Dieu, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et si tu as une Bible, tu peux aller dans l'épître de Jacques, chapitre 1, nous allons lire les quatre premiers versets, pas beaucoup de versets ensemble, on les lit ensemble. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les douze tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que cette endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte, à un état mature spirituellement, et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Trois choses aujourd'hui que je veux voir avec toi sur ce passage. Premièrement, je veux qu'on voit ensemble qui est l'auteur de ce passage et en quoi c'est pertinent pour comprendre ce qu'il veut nous partager. Nous allons voir ensemble aussi à qui il s'adresse. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Ton identité fait toute une différence sur comment tu vis les contrariétés les épreuves dans ta vie et troisième chose nous allons voir comment vivre cette clé qu'il veut nous enseigner de voir nos épreuves avec joie qu'elles produisent ce qu'elles doivent produire dans notre vie comment le vivre comment vivre cette clé qui peut qui est, qui est pratique qui est concrète et qui peut réellement changer ta perspective dans ton quotidien dans tous les jours littéralement comment la bonne nouvelle de jésus peut avoir un impact concret dans ton quotidien c'est ce que nous allons voir ensemble mais commençons avec le premier point qui est l'auteur de ceci, de cet écrit, et en quoi c'est pertinent. On va relire ensemble le verset 1 du chapitre 1 qu'on vient de lire. Il est dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Jacques, serviteur de Jésus-Christ, qui écrit aux frères et aux soeurs de l'Église. Ici, plein de choses en très peu de mots qu'on voit concernant ce, cet auteur. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a affaire à un auteur qui est digne d'écoute est digne de notre confiance. Qui est cet auteur, en fait, et pourquoi il est tant digne d'écoute et de confiance Il s'agit du demi-frère de Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur. Demi-frère, hein, je te rappelle que Jésus est né de la Vierge Marie, mais il, la Marie était vierge, il n'a pas eu de Père, en fait, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie et de... Et de, et de, 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 de de ce miracle est né Jésus. Ce qui fait que Jésus, c'est ça la, la grande et belle et bonne nouvelle de Jésus. En naissant de Marie, Jésus hérite de notre humanité, et ainsi Jésus peut pleinement et complètement s'identifier à notre humanité. Mais puisque Jésus n'a pas de père, c est, il est né du Saint Esprit. Il est aussi 100% divin, ce qui lui permet de, pour, de pouvoir vivre sa vie sur terre en s'identifiant à l'humanité, mais sans péché. Et il est capable d'atteindre tous les standards et les critères de perfection qu'exige Dieu. Dans son, son humanité, il prend notre place, s'identifie à nous, mais dans sa divinité, il est parfait à notre place. Autrement dit, Jésus a passé l'examen de perfection, l'examen nécessaire pour entrer dans le paradis parfait. Jésus l'a passé 100% et il l'a passé à ta place. Pour celui qui met sa foi en Jésus, Jésus passe l'examen d'entrée. À ta place et c'est ton nom à toi qu'il met sur sa copie à lui. Dans son humanité, il nous représente. Dans sa divinité, il est capable d'atteindre les standards de critères de Dieu. Mais plus que ça, en plus, il est il reçoit à la croix la conséquence et la condamnation que toi et moi on mériterait. Et il est capable de la payer. Seul Christ peut. Seul Christ dans sa divinité est capable à la croix de payer la dette éternelle et infinie que toi et moi on mériterait pour avoir rejeté un Dieu qui est éternel et infini. Jésus a remboursé la dette de l'enfer, la dette de la justice et de la colère de Dieu à la croix, il l'a remboursé encore une fois pour celui qui met sa foi en lui. Il l'a remplacé à notre place. Dans sa vie, Jésus a, été, a accompli la perfection que monde était incapable d'accomplir et dans sa mort, il reçoit la conséquence que l'on méritait à recevoir. C'est pourquoi celui qui met sa foi en Jésus, maintenant, il n'y a plus de dette. Hein? Tu n'as plus un, une éternité à passer en enfer. La dette de l'enfer, elle est payée si tu mis ta foi en Jésus. Et non seulement tu es, es sans dette devant Dieu, mais en plus, Jésus te donne la note parfaite de passage pour. Accéder à un paradis glorieux, heureux et parfait. Et c'est ça l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle de Jésus, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli pour que celui qui met sa foi en lui est maintenant réconcilié pour l'éternité avec Dieu. Est-ce que je peux entendre une gloire à Jésus pour ça? Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Qui est née de la Vierge Marie. Mais la parole nous dit qu'après, Marie n'est pas restée vierge. Elle, elle, elle s'est mariée avec Joseph, elle a eu des enfants avec Joseph et Jacques est un des demi-frères de Jésus. Et ça, ça devrait booster ta foi comme rien d'autre. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi voir que le demi-frère de Jésus écrit une épître dans la Bible, ça devrait booster ta foi? Parce que quel plus beau miracle qui vient nous confirmer que tout ce que nous croyons est véritable et béton que de voir que le demi-frère de Jésus lui-même est transformé par Jésus, lui-même reconnaît qu'il est un pécheur, qu'il a besoin d'un Seigneur et, et qu'il qu vit avec les frères et les sœurs en Jésus. Quoi de mieux que la transformation de, du frère de Jésus pour venir confirmer notre foi? Même le frère de Jésus est transformé par la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez que si moi je commençais à me promener et à déclarer que je suis Dieu, que je suis saint, juste et parfait, que je suis sauveur. Les premières personnes qui commenceraient à lever le flag, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis que ce pas vrai, puis que je suis assez imparfait dans ma vie, ce ben, seraient mes gens qui sont proches de moi. Ma femme, mes frères, soeurs, mon père. Peut-être juste ma mère qui continuera à dire que c'est vrai que je suis parfait. Puis même encore là. Hein? Mais les gens les plus proches de moi seraient les premiers à lever le flag. Nous voyons que le demi-frère de Jésus a reconnu qu'il était Dieu mort à la croix pour nous, Seigneur de la vie. Et non seulement nous voyons la transformation de la bonne nouvelle de Jésus dans sa vie, mais il faut que tu saches aussi que historiquement, Jacques est un des premiers apôtres à être mort. Jacques est né et mort tôt dans l'histoire de l'Église. Il est mort martyr, il est mort en souffrance, il est mort torturé. Là, tu te dis peut-être comment Dieu a pu permettre ça dans sa vie. Mais justement, encore une fois, pour revenir, reconfirmer encore une fois la bonne nouvelle dans laquelle nous croyons qu'elle est solide. Tu sais, il y a plein de gens dans le monde qui sont prêts à mourir pour une cause qu'ils pensent être vraie et juste. Dans l'histoire, il y a des gens qui meurent pour des mouvements. Il y a des gens qui meurent même kamikazes pour, pour leur foi. Mais personne n'est prêt à mourir et mourir dans la souffrance pour quelque chose qu'il sait que c'est un mensonge. Lui, c'est le frère de Jésus. Qui sur la terre était le plus susceptible de savoir que c'était faux que Jésus était réellement Dieu, Seigneur, Sauveur, que son propre frère? Si cet homme-là a été transformé par l'Évangile et prêt à mourir et torturer pour l'Évangile, c'est que c'était simplement la vérité. Jésus est le Fils de Dieu qui est mort à la croix pour nous. Et la vie et la mort de Jacques vient le confirmer et l'authentifier. Donc, quand on regarde à Jacques, nous devrions approcher cette épître rempli d'une foi renouvelée, à comme on dit, booster en hébreu. On devrait avoir cette approche où on voit un auteur qui est digne de confiance dans ce qu'il va écrire. Et on voit un auteur qui est humble. Il se présente comme le serviteur de Jésus qui s'adresse dans l'Église à ses frères et à ses sœurs. De toute l'histoire de l'Église, qui pourrait le plus se prévaloir d'une autorité, de, de notoriété autre que le demi-frère de Jésus. Et est-ce qu'il se présente en disant recevez-moi, je suis le demi-Seigneur qui s'adresse à vous, les petits gens, les petits chrétiens Non, il se présente encore une fois simplement comme le simple serviteur de Jésus, notre Seigneur, et il se considère égal comme frère et sœur à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus, sont maintenant adoptés de Dieu et deviennent frères et sœurs en Jésus. Et il se voit Jacques frère, également frère et sœur comme l'Église, et également comme l'Église, serviteur de Jésus. Jacques se considère lui aussi comme un être humain pécheur imparfait qui a besoin du salut de Jésus, que Jésus le sauve, que Jésus devienne son Seigneur. Et maintenant, en Jésus, il est frère et sœur avec le reste de l'Église. Et il est simplement là pour servir un auteur humble et un auteur... Inspiré par la parole de Dieu, par l'esprit de Dieu, Jacques écrit une épître, une lettre qui s'adresse à l'Église, inspiré par le Saint Esprit pour enseigner et diriger l'Église. Et à travers l'histoire de l'Église, Jacques a déjà, a souvent été difficile pour certains théologiens à comprendre parce que faut le dire, quand tu lis l'épître de Jacques et tu compares avec, par exemple, les épîtres de Paul ou celles de Jean, par exemple, un, on voit que Jacques a un style qui est vraiment différent de Jean et de Paul. Alors que Jean et Paul, bien souvent, ils vont prendre beaucoup d'espace pour décrire la bonne nouvelle de Jésus, pour expliquer et décrire l'évangile qui est la bonne nouvelle. Ici, Jacques prend pas beaucoup de temps à décrire. L'Évangile, il va plutôt enseigner beaucoup de sagesse. Beaucoup de, 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 il va avoir beaucoup de, de commandements, on a l'impression qu'il donne beaucoup de, de, de bons conseils. Et des fois, on peut avoir l'impression que c'est simplement un, 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 une lettre remplie de bons conseils religieux. Mais c'est mal comprendre ce qu'est Jacques et ce que fait Jacques. En fait, lorsqu'on regarde attentivement, il y a des théologiens qui l'ont bien relevé à travers l'histoire de l'Église. Jacques écrit à la manière des écrits de sagesse de l'Ancien Testament. Bien souvent, même, on va nommer Jacques. Le livre des Proverbes du Nouveau Testament. Et il faut comprendre que les livres de l'Ancien Testament, et d'ailleurs, le livre de Proverbes le dit lui-même à la fin de son introduction en chapitre 9, ce ne sont pas des listes de commandements, simplement des listes de commandements et des bons conseils religieux. C'est beaucoup plus que ça. Ça peut donner l'impression, mais ce n'est pas ça. Le chapitre 9, par exemple, va donner un, un beau symbole hein? c'est une image, c'est un symbole. Il va dire, la sagesse, ce n'est pas des bons conseils. La sagesse, c'est l'application, c'est l'art d'appliquer. C'est l'art d'appliquer la connaissance. Donc, c'est beaucoup plus que savoir des choses, c'est savoir comment l'appliquer. Et la sagesse dans la vie, c'est quelque chose, c'est un fruit qui prend place, c'est quelque chose qui découle naturellement de où est d'abord ton cœur. C'est pourquoi le chapitre 9, il utilise cette image, il dit, c'est comme si dans la vie, il y a deux... Femme différente est un choix avec laquelle tu dois te marier. Il y a une femme qui représente la folie de rejeter Dieu et de choisir l'idolâtrie, et il y a une femme qui représente l'amour de Dieu et de sa sagesse. Et celui qui ça, celui qui, 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 qui se marie à la femme sagesse, qui épouse de cœur d'amour, de patience, de passion, mais aussi de révérence et de crainte Dieu qui vit pour lui, pour sa gloire et qui a une révérence, une crainte, un amour et un zèle pour Dieu, et eh bien naturellement dans sa vie va découler un mode de vie, de ce qu'il aime, puisqu'il aime réellement Dieu, qu'il croit réellement en Dieu, qu'il a une crainte réelle de Dieu, il va avoir un mode de vie qui va naturellement découler de cela. Il y a des fruits naturellement qui vont prendre place. Jésus l'a illustré en disant, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et nous voyons que Jacques est justement le demi-frère de Jésus qui a été transformé par la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait. Et Jacques est simplement dans un style de sagesse en train de décrire quel est le mode de vie, le fruit naturellement qui découle de celui qui a réellement mis sa foi dans la bonne nouvelle de Jésus et reçu la vraie semence de la bonne nouvelle de Jésus. C'est quoi le fruit qui fait juste prendre naturellement place? Donc, ce n'est pas juste des conseils religieux, ce n'est pas juste des, des ordres à obéir. C'est simplement voici le fruit dans ta vie que la bonne nouvelle de Jésus peut réellement produire. Quel est les applications de sagesse concrète que la bonne nouvelle de Jésus peut produire dans ton quotidien, c'est ce que Jacques est en train de nous révéler. Tu sais que si tu as des arbres sur ton terrain et que tu veux des pommiers, c'est pas en allant coller avec du duct tape des pommes sur tes arbres que tu vas avoir des pommiers. C'est en plantant des semences de pommiers que tu risques d'avoir éventuellement un pommier. Si ce que Jacques décrit ou les proverbes, tu ne vois pas ça dans ta vie, ce n'est pas en forçant et en collant de faux fruits que tu vas en vivre. C'est simplement en te, en te disant, est-ce que j'ai bien compris l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, bien reçu l'œuvre de Jésus? Est-ce que dans ma terre, il y a la vraie, réelle, bonne semence qui, bien entretenue, produit le bon fruit, le, le bon mode de vie? Reçois la bonne nouvelle de Jésus. Prends en soin. C'est un auteur inspiré, et un auteur qui s'offre lui-même comme un modèle pratique. Et ce que est, il devrait nous appeler à la foi et nous appeler à nous captiver, et avoir un intérêt à découvrir à travers lui justement à quel point Jésus dans l'intimité peut vraiment transformer une personne aussi proche que son demi-frère. Vous savez, quand on aime quelqu'un ou même quand une personne pour qui on a beaucoup de respect et quand on rencontre des gens qui lui sont proches, on rencontre ses parents, on rencontre des amis proches, là on peut apprendre toutes sortes d'anecdotes. Comment il était plus jeune. Il y a toujours une excitation. Peut-être tu déjà rencontré des gens proches de des gens que tu aimes. Et là, tu les as. Tu as appris à les découvrir sur un nouvel angle parce que tu avais accès à des personnes intimes. Euh, juste pour clarifier le propos, je te raconte une histoire. Je me souviens que lorsque justement je terminais mon parcours à ETF, fallait faire des stages et j'étais parti en duo avec un de mes amis euh, d'études à l'époque. Et notre stage qu'on avait décidé de faire, si on avait décidé de faire le tour de plusieurs églises en Gaspésie, on voulait faire notre étude de fin de stage sur les églises en région. Et bien sûr, en faisant le tour des églises de la Gaspésie, on était accueillis par des familles là-bas. On était des étudiants, pas beaucoup d'argent. Et à un moment donné, on était dans une famille qui nous expliquait que eux, il y a très longtemps, ils avaient déjà habité, abrité chez eux un pasteur, je vais le garder dans l'anonymat, vous allez comprendre, mais un prédicateur, un bon pasteur que vous aimez beaucoup. Et eux, à l'époque, ils avaient eu la chance de l'accueillir chez eux et eux, ils avaient toutes sortes d'anecdotes très croustillantes à nous raconter et on dévorait ces anecdotes-là. On redécouvrait ce pasteur bien-aimé sous un autre angle. Il nous montrait des photos. On aurait dit qu'il avait perdu un, un Paris bras de fer avec Chuck Norris. Écoute, il portait des leggings des années 80 avec des shirts par-dessus. Il avait une moustache très embarrassante, une coupe de cheveux embarrassante. On a conservé, ils nous ont donné la photo. Donc, on, on a ramené avec nous du matériel compromettant. Vous savez, au cas où, à un moment donné, on a besoin d'un levier, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a, on a du, du matériel compromettant, amusant. Il nous racontait comment, que fiancé, tous les soirs, il parlait à sa fiancée au téléphone avec des discussions romantiques qu'on qu peut même pas imaginer. On avait ce plaisir à dévorer toutes ces anecdotes et, et redécouvrir cette personne qu'on aime sur un autre angle nous devrions être habités d'encore plus de passion et d'empressement à découvrir à quel point Jésus a impacté son propre demi-frère. Notre foi devrait être nourrie, notre intérêt notre... devrait nous captiver pour cette épître et on devrait réaliser à travers sa... sa façon de vivre comment que la bonne nouvelle en Jésus doit réellement devenir sagesse pratique dans notre quotidien. Si tu le crois ici, si comme moi tu vois, l'encouragement la... et la bonne nouvelle d'avoir accès au demi-frère de Jésus ici, écris-le dans les commentaires en disant En Amen. On poursuit avec la deuxième chose qu'on voit aujourd'hui, à qui il s'adresse. Le début du verset 2 nous dit, mes frères, évidemment, mes frères, mes soeurs, il s'adresse aux chrétiens. Tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, Jésus prend leur place dans la vie et dans la mort pour l'éternité. Tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, qui ont reçu la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli pour nous réconcilier avec Dieu, tous ces gens-là sont maintenant adoptés de Dieu, sont tous rendus maintenant des enfants de Dieu. Si tu as mis ta foi en Jésus réellement, tu as reçu sa bonne nouvelle réellement, tu es maintenant un fils ou une fille bien-aimée de Dieu en qui il a mis toute son amour. Tu es le... On est co-héritier avec Christ et on est frère et sœur avec Jacques. Et c'est à eux qu'il adresse ce message que tes contrariétés, tes souffrances et tes, tes épreuves peuvent produire quelque chose de bénissant dans ta vie si tu les accueilles avec Christ. Et à travers la lunette de l'Évangile, tu peux voir quelque chose dans tes épreuves qui est positif. Mais ça, c'est un message qui ne s'adresse pas à tout le monde. Ça dépend de ton identité en Jésus. Le message de Jacques n'est pas pour tout le monde. Il n'est que pour ceux qui sont réellement en Jésus, qui sont des enfants de Dieu. Parce que pour ceux qui appartiennent à Dieu, et, tu sais, il, y a, il y a un auteur qui est chrétien, qui est Philippe Yancy, qui le, qui le dit ici, Dieu ne gaspille pas une souffrance. Nous pouvons gaspiller les souffrances, mais Dieu, pour celui qui appartient, Dieu est en train d'acheminer un plan et Dieu ne gaspille pas de souffrance. Mais ce message s'adresse à ceux qui lui appartiennent. Et qu'est-ce qui fait la différence, en fait? La différence, c'est le but et c'est la destination vers laquelle on se, va. Je, on, on se dirige. Je vais illustrer ce, ce propos-là. Je travaillais euh, il y a plusieurs années dans un Starbucks, je le raconte souvent, et il y avait quelque chose dans ce Starbucks-là où je travaille, je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais là où je travaillais, c'était assez drôle, il y avait l'endroit où les gens euh, vont jeter leur vidange, et il y avait comme trois sections, vous le savez, la section déchets, la section papier-carton, la section plastique, donc pour séparer les, les détritus et les composantes que qu'on peut, euh, qu peut recycler. Nous on, nous, on travaillait là, on était des employés, et une fois que la poubelle est pleine, on y a, on arrivait, on ouvre la porte en dessous du comptoir et c'était une seule poubelle. Donc, c'était trois sections séparées. Donc, ça donnait l'impression aux gens qu'on faisait du recyclage et tout ça. Mais c'était une seule poubelle et tout ça se dirigeait au même endroit, à la finalité. Vous savez, on vit dans un monde où tout le monde peut donner un sens à tout comme il le désire peut donner un sens à leur vie, donner un sens à leurs épreuves, à leurs souffrances, donner un sens à leur travail, à leur vocation, à, 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 leur, à leur mouvement, à tout ce qu'ils font. Ils peuvent coller des étiquettes de sens et donner un sens. Mais toute chose hors de Dieu, de sa volonté, ne fait pas de sens car tout ça se dirige vers le néant. Seul Dieu donne un sens car nous vivons dans sa création, dans son plan providentiel. C'est lui qui a créé ce monde, c'est lui qui le contrôle et qui en, est, qui en demeure souverain et c'est lui qui mène ce ce monde vers son plan qui est le, 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 le déploiement et la réalisation de, sa, de, de, sa, de la manifestation pleine de sa gloire. C'est Dieu qui mène vers une destination et c'est pourquoi ceux qui sont en Dieu, tout ce, qui, tout ce que Dieu va utiliser ultimement, il va les utiliser pour les amener à sa gloire. Vous savez que c'est une chose de dire ça pour quelques contrariétés dans nos vies, c'est plus difficile quand nous vivons de, de grands moments d'épreuve et de souffrance dans nos vies. Et lorsqu'un pasteur enseigne comment que, en Dieu, toutes choses vont finir par concourir au bien et à la gloire de Dieu, souvent ça peut sonner, et ce n'est pas mon désir avec vous aujourd'hui, souvent ça sonne comme un simple cliché vide et non senti. Et lorsqu'un pasteur dit ça, on l'écoute on dit, oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis. Puis des fois, ça donne l'impression, lorsque un pasteur va, va enseigner ce propos-là, ça donne l'impression, en fait, qu'un qu pasteur tire de... De belles grandes interprétations de la parole de Dieu, mais on se demande est-ce que c'est vraiment ça qu'on voit dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu pense lui-même? Vous savez, un jour, ma sœur est au cégep, puis elle avait un cours d'art, d'interprétation d'art au cégep, et sa classe, ils étaient allés au musée. Et là, il y avait un tableau, et là, sa prof commence à partir. Vous voyez ici, si vous regardez les formes, les couleurs, les emplacements, euh, l'auteur voulait vraiment exprimer tout ceci. Puis le, 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 le professeur part dans toutes ses interprétations. Mais ce que le prof ne savait pas à ce moment-là, c'est que le véritable auteur du tableau, elle était présente et elle, elle observait l'interprétation pour au final devoir dire aux étudiants euh, Vous savez, c'était vraiment pas ça que je voulais dire. L'interprétation est vraiment chan-gauche, totalement de ce que je voulais euh, communiquer. Et l'idée des fois, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'on fait ça avec la Bible, hein? on part dans, 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 dans des belles théories échafaudées, mais on se dit, mais, mais, mais c'est-tu vraiment ça que Dieu pense lui-même? Et dans le cas de la souffrance, on a un exemple, c'est quand même, ça n'arrive pas tant que ça dans la parole de Dieu, où Dieu se manifeste lui-même en personne et prend la parole directement pour clarifier le propos. Il ne laisse pas d'autres donner une interprétation. Il vient donner à nous, l'humanité, la bonne interprétation à avoir du sujet. Et on l'a vu, il n'y a pas si longtemps, c'est Job. Je te rappelle, les amis de Job vont venir le voir alors qu'il est dans la souffrance. Et les amis de Job, c'est un peu comme les critiques. Hein? C'est un peu comme les critiques. Et chacun dit son interprétation de la chose. Et les, amis, les critiques disent tout ce qu'ils ont à dire. Mais à un moment donné, Dieu, hein, au cœur de la tempête, hein, Dieu parle dans la tempête, au cœur de la tempête, Dieu s'adresse à Job et c'est lui qui vient donner la bonne interprétation, vient clarifier. Et si tu es chrétien, tu as mis ta métaphore dans la parole de Dieu. Tu crois en Dieu. Nous devons vivre avec ce que Dieu nous a donné. C'est la réponse que Dieu a donnée à Job. La réponse, il nous a dit ultimement la souffrance, le mal en ce monde, la souffrance, Dieu ne l'a pas voulu. Dieu ne, ne, ne l'a pas créé. Mais on constate que la souffrance, elle est quand même belle et bien présente. Et comment on fait pour concilier le fait que Dieu est clair dans la Bible? Il n'a pas voulu la souffrance, il n'a pas créé la souffrance, il ne nous donne pas la souffrance, mais elle est présente. Comment on concilie ça? Dieu, sa réponse à Job, dans ton esprit humain, dans ta logique limitée et contaminée aussi par le péché, tu ne pourras pas le saisir. C'est la réponse qui nous a dit. Je ne l'ai pas voulu, il est présent. Comment concilier deux? Tu ne pourras jamais y arriver. C'est comme une fourmi. Qui essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête et le cerveau de Albert Einstein. Et tu sais quoi, l'écart qu'il y a entre le cerveau d'une fourmi et le cerveau d'Albert Einstein, cet écart-là est encore infiniment plus grand, éternel et incalculable que celui qu'il y a entre un être humain et Dieu. L'écart entre la fourmi et Einstein, il est encore plus grand que celui qu'il y a entre un homme et Dieu. Tu ne peux pas, on ne peut pas résoudre dans notre logique limiter et contaminer la, la présence du mal alors que Dieu ne l'a pas voulu, ne l'a pas créé. Mais voici sur quoi Dieu va insister sur son discours pour encourager Job. C'est ce que Job est appelé à préserver et que, et que, et que aussi euh, Jacques nous rappelle avec, avec son style justement des écrits de sagesse comme Job. Dieu utilise la souffrance dans un plan précis qui va culminer par la pleine manifestation de sa gloire et pour notre bien. Ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu rappelle à Job, il va dire Job, t'étais-tu là quand j'ai créé le monde Non, t'étais pas là. Est-ce que tu sais c'est quoi Maintenir en tout temps la création, l'univers et le cosmos en entier Non, c'est moi qui fais cette job-là. Donc fais-moi confiance que je t'en contrôle, fais-moi confiance que je sais ce que je fais avec la souffrance et fais-moi confiance qu'il y a une destination à tout ça. Dieu rappelle à Job J'ai créé ce monde, je je suis maintenant, maintenant le pleinement en contrôle de ce qui se passe. On comprend pas tout. Pourquoi il y a cette souffrance que l'on vit Mais fais-moi confiance, que je suis en contrôle et que je fais quelque chose et que je mène ça quelque part, ça sera glorieux et ça sera bienveillant. Et dans certaines de nos souffrances, vous savez, tout le monde ici, on a vécu, puis un peu comme mon histoire avec ITF, des fois on, on vit des situations dans nos vies où, euh, après coup, on se rend compte que ça a été pour notre bien. Hein? Une souffrance ou un mur où Dieu a permis de fermer une porte, où il a travaillé quelque chose dans notre caractère, où finalement, ça, ça nous a amené quelque chose de mieux. Il y a plein de souffrances qu'après coup, on voit que Dieu agit dans notre vie. Mais il y a plein de souffrances non plus de, de ce monde. Ça va nous demander beaucoup de foi parce que c'est très souffrant et parce qu'on n'arrive pas à réellement trouver le sens à cette souffrance. Mais la promesse que Dieu fait à Job, c'est que même si tu ne la comprends pas, tu la saisis pas, je fais quelque chose et tu vas voir rétroactivement. Lorsque nous serons de l'autre côté, non seulement toutes, hein, la Bible est claire, nous allons tous reconnaître, peu importe les souffrances que tu as vécues dans ta vie, puis tu peux t'attacher à ça avec la foi. Nous allons tous reconnaître. Qu'il était finalement réellement juste, il était bon et qu'il était glorieux Dieu et que réellement il a travaillé avec bienveillance sur l'ensemble de notre vie, notre existence. Tous les diront, même les non croyants vont devoir reconnaître que Dieu était bon et juste et glorieux. Nous allons tous reconnaître qu'il est glorieux et bienveillant. Mais lorsqu'on va regarder rétroactivement sur notre vie, nous allons voir qu'il agissait réellement pour la gloire, sa gloire et la bienveillance avec bienveillance envers nous et que tout a concouru au bien. Et pour racheter les souffrances de nos vies. Nous devons justement faire partie justement de ce peuple de Dieu. Dieu ne gaspille pas les souffrances de les enfants. Elles retrouvent un sens uniquement en Jésus Christ. Et l'homme naturel, l'homme naturel qui a un regard naturel des choses veut simplement évacuer les moments de souffrance le plus vite possible de sa vie. Mais celui qui est en Jésus, il sait que la souffrance a un sens. Et lorsqu'on accueille la souffrance avec le regard de Christ, nous pouvons avoir une on peut avoir la foi. On peut voir que la souffrance a un sens et on sait que ça nous mène vers quelque part pour notre bien et la gloire de Dieu. Donc Jésus rachète nos souffrances, il lui donne un sens. Ça, fait, ça me fait penser un peu à, à un artiste qui s'appelle Christian Guémy. Je ne sais pas si vous connaissez Christian Guémy, il y a une photo qui apparaît. C'est un artiste okay, qui récupère des graffitis qui sont vulgaires ou qui sont vulgaires ou qui sont juste sales dans les rues, il les transforme pour en faire de belles œuvres d'art. C'est euh, un peu comme l'exemple que vous avez, c'est un peu un graffiti qui, qui, qui est un symbole nazi et il va le prendre et à la place qu'il va faire, c'est en créer un mémorial pour des hommes et des femmes et des enfants qui sont morts durant l'Holocauste. Donc il prend quelque chose qui, a, qui, qui est vulgaire, qui est sale et il en fait un trophée de grâce. Est-ce qu'il y a des gens ici, tu m'écoutes, que peut-être que tu étais brisé par la souffrance, peut-être que tu étais sali par le péché, mais Jésus t'a pris, Jésus t'a racheté, Jésus a commencé une œuvre dans ta vie et un jour tu pourras dire dans le royaume des cieux que tu as un trophée de grâce à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, si tu le crois, écris dans les commentaires « Gloire à Jésus ». On poursuit la lecture. Verset 2, « Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. » Qu'est-ce que Jacques, finalement, veut vraiment nous dire? Et ça, c'est vraiment une clique dans ton quotidien, puis tout changer, puis rendre tout ça concret. Jacques est en train de nous enseigner que la vie est comme une course et... Si tu, la, la vie chrétienne, c'est de se rendre jusqu'au bout de la, la course. Et si tu ne pratiques pas aujourd'hui ton endurance, tu n'auras jamais la persévérance de te rendre jusqu'au bout. Et par toutes sortes de petites contrariétés, Jésus te prépare. Si tu accueilles ça avec foi, Jésus te prépare à travailler une endurance pour que tu aies la maturité spirituelle nécessaire d'aller jusqu'au bout. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas voulu la souffrance et on ne la veut pas. Mais puisqu'il y a de la souffrance, aussi bien laisser Dieu nous travailler à travers cette souffrance afin qu'il ne nous manque rien que par grâce. Et c'est là que je dis qu'il y a même une grâce dans certaines souffrances. De nos vies, quand elle nous prépare et que Dieu veille à travers cela, que ça développe dans nos vies la maturité spirituelle nécessaire pour se rendre jusqu'au bout, pour être réconcilié éternellement et pour toujours avec Lui. Et ici, le mot, sous, le mot euh, épreuve, c'est un mot très large. Littéralement, ça veut, ça veut dire sous pression, hein? comme une bouilloire qui est sous pression de vapeur. C'est sous pression. Et, et, dans le, et je t'invite à lire l'épître de Jacques au complet. Jacques va ensuite développer tous les types de souffrances que l'on peut vivre et d'épreuves dans notre vie. Donc, ça peut être des contrariétés très minimes et quotidiennes, comme de grandes épreuves. Hein? Ça peut être la persécution, des deuils, du france, de la maladie, du stress, des tentations, même pression par rapport à la tentation, des frustrations, des conflits relationnels, toutes forme de contrariété. Petite, moyenne, grande, quotidienne. Forme de contrariété. Et quand il nous dit, accueillez-les avec joie, non pas que je prends plaisir dans la souffrance, mais dans ce qu'elle peut produire dans ma vie si je la prends avec joie. De, cette semaine, tu vas aller travailler et tu vas vivre à la maison, en voiture et au travail, toute forme de contrariété. Et ce qu'il dit, c'est exerce-toi à y voir des occasions, des opportunités de laisser Dieu travailler quelque chose dans ta vie qui te sera nécessaire pour te rendre jusqu'au bout de la course. Trop souvent, quand on vit des contrariétés ou des moments de souffrance, on, on prie... Dieu change les circonstances, Dieu fait que ça s'arrête, fait que ça finisse le plus vite possible. Et c'est correct de demander à Dieu en passant. C'est juste que trop souvent, on veut juste que ça passe au lieu de voir qu'est-ce qui peut être de bon dans notre vie, de bénéfique qui en sort. C'est un peu comme si on devait passer une peine en prison et tout ce que l'on fait, c'est je veux que ça s'arrête, je, je, je m'ennuie, je souffre, je veux que ça s'arrête, j'ai hâte de sortir, mais tu ne contrôles pas finalement la peine et tu passes ton temps à avoir hâte de sortir et finalement, tu finis par sortir et tu as juste perdu un an de ta vie, alors qu'en prison, tu avais peut-être accès à. Des études gratuites payées que tu pouvais faire, à une bibliothèque d'information, à un gym pour te remettre en forme. Tu aurais pu sortir avec une nouvelle formation universitaire payée où tu avais le temps de le faire. Beaucoup de culture, une santé dans ton corps, mais au lieu de ça, tu as juste voulu que ça passe le plus vite possible. Des fois, c'est un peu comme ça on gaspille une souffrance. Elizabeth Elliot va dire « Le secret, là, ce n'est pas moi dans d'autres circonstances, mais plutôt Christ en moi, peu importe les circonstances. » Nous devons, les, 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 les moments d'épreuve dans notre vie peuvent nous amener à un moment donné à, avoir cette, à développer cette maturité spirituelle qui est capable à un moment donné de faire cette prière. Ce n'est pas facile, c'est un cheminement de vie, mais cette prière qui dit Seigneur, je ne veux rien dans ma vie que tu ne veux pas pour moi. Des fois, je veux des choses, je veux des projets, je veux forcer des projets, études, travail, mariage et autres. Je veux, je veux des choses, je veux des choses, je veux des choses, mais que toi, tu sais que si j'avais, ça pourrait m'éloigner de toi, mais faire en sorte que je n'arrive pas au bout de la, la route. Arriver à cette, à cette maturité où je pourrais un jour réellement et sincèrement dire, Seigneur, je ne veux vraiment rien dans ma vie que tu ne veux pas pour moi. Et dire l'inverse, Seigneur, je veux tout dans ma vie de ce que tu veux pour moi. Même si c'est une contrariété, une souffrance, que je ne voudrais pas, mais qu'après coup, je me rends compte que ça va m'amener plus proche de où ce que tu veux m'amener. Je veux tout dans ma vie que tu veux pour moi. Et je veux rien dans ma vie que tu ne veux pas pour moi. Et encore une fois, ça ne veut pas dire prendre plaisir dans la, dans la souffrance. C'est que jusqu'au bout de la course, la souffrance dans ce monde, elle est inévitable. Donc, laissons-la produire ce qui sera nécessaire par grâce pour se rendre jusqu'au bout. Dieu nous prépare à arriver jusqu'au bout. Vous savez, moi, j'aime n'aime pas le workout. J'aime pas m'entraîner. Il y a des mauvaises langues ici qui vont dire, ça paraît, Pasteur Simon. Ça, ce n'est pas gentil de rire de ma bouée pastorale, OK? Moi, j'aime pas le workout, j'aime pas m'entraîner, c'est une vraie souffrance pour moi dans ma vie, le sport. Moi, mon, moi mes sports préférés, c'est courir, nager, abandonner après cinq minutes. C'est ça, mon, mes sports préférés dans la vie. Mais, J'aime ce que le sport produit. Je souffre pendant que je suis en train de m'entraîner, mais quand j'ai fini de m'entraîner, je sens toujours un peu comme quand on va se laver après une grosse journée chaude d'été. Tu te sens, c'est comme si c'est une hygiène de vie. Tu te sens bien, tu te sens propre. Il y a une fierté à y arriver. Tu as une santé aussi qui s'améliore de, de semaine en semaine. Il y a un bien-être qui s'installe. Je souffre pendant l'entraînement, mais j'aime ce que ça va apporter. Ça fait passer un peu à ma fille, tu sais. Euh, Ma fille, elle a un jeu qu'elle aime beaucoup. C'est comme un genre de casse-tête pour elle. C'est des petites clips. Ma fille a un an et demi, là, je la rappelle. Là. Elle n'a pas 20 ans. Là. Donc, euh, c'est une fille d'un an et demi, puis c'est des petites clips. Et elle est, on dirait qu'elle souffre quand elle joue avec ça. et elle, elle comme ça en train d'essayer d'enligner les clips. Elle, elle grogne, des fois elle pleure. Ça y arrive même des fois qu'elle lance à terre un peu fâchée. Après, elle retourne. Elle, le processus pour elle, à chaque fois qu'elle joue avec son jeu, semble souffrant. Mais elle revient tout le temps, à ce jeu-là, c'est son jeu préféré. Pourquoi? Parce que quand elle réussit à le clipper, il y a un déclic qui se fait, elle est remplie de joie, elle commence à s'applaudir, puis elle dit Bravo Jeanne, bravo Jeanne. Le plaisir d'avoir réussi à le puzzle est tellement plaisant qu'elle accepte le processus de souffrance. Nous devrions dé dé développer non pas un plaisir de la souffrance, mais le plaisir de ce que ça produit comme déclic, ce que ça réalise dans notre vie. Dieu produit quelque chose dans notre vie afin qu'il ne nous manque rien et qu'on arrive et qu'on tienne bon jusqu'à la fin. C'est le principe de la course. en Paul décrit la vie chrétienne à une course où on doit arriver jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait la différence Qu'est-ce que la Bible déclare qui fait la différence entre un vrai chrétien et un faux chrétien Qu'est-ce qui va faire la différence ultimement La Bible dit que c'est la persévérance. Celui qui va persévérer dans sa foi et dans ses choses jusqu'au bout, c'est lui le véritable chrétien. La persévérance fait la différence entre le vrai et le faux chrétien. Alors que la vie est décrite comme une course, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui arrive jusqu'au bout de la course et quelqu'un qui va abandonner, qui ne se rendra pas jusqu'au bout de la course Encore une fois, c'est la persévérance. C'est la persévérance qui fait la différence entre le vrai et le bon chrétien, celui qui abandonne, celui qui se rend jusqu'au bout. La vie est une course. La vie est même un terrain miné, un terrain accidenté. On vient dans un monde de la chute, le péché. Le, le terrain, il est miné, le terrain, il est accidenté. En plus, on a un ennemi qui aime mettre des obstacles. Ne soyons pas naïfs, chrétiens. On ne va jamais se rendre jusqu'au bout de la course. Jamais on va se rendre jusqu'au bout de la course si on ne laisse pas Dieu commencer à préparer notre endurance. C'est un peu comme si vous veniez tout juste de commencer à vous entraîner. Vous venez juste de commencer à vous entraîner et déjà la semaine prochaine, vous êtes inscrit en Ironman. Vous n'allez jamais y arriver. On doit commencer à pratiquer maintenant notre endurance, petit par petit, pour être sûr de se rendre jusqu'au bout. Et ça, ça peut devenir concret dans ta vie. Les moments de contrariété accueille-les pour que Dieu te prépare pour plus. Quand la pandémie a commencé, je vivais beaucoup de stress. Ça faisait des années que ma femme moi, on essayait de mettre de l'argent de côté pour s'acheter une maison. Et là, tout d'un coup, tout perdait de sa valeur. L'argent perd de sa valeur et les maisons augmentent leur valeur. Et je commençais à paniquer de ne pas pouvoir être propriétaire. Et à un moment donné, ça créait du stress et de l'anxiété, comme beaucoup d'ailleurs. Et là, c'est un moment où j'ai dit OK, ce message de genre qui m'a parlé, je me suis dit OK, c'est temps de le mettre en pratique. Puis, parenthèse, souvent, on pense que. Prier, ça doit être quelque chose de magique. Hein? On, on, on présente ça comme, euh, oh, j'ai un problème d'anxiété, je prie, puis là, je devrais avoir une paix surnaturelle dès là qui, qui s'installe. Non, non, c'est quelque chose, c'est une hygiène spirituelle qu'on doit cultiver. C'est-à-dire que c'est la, la Bible nous donne les armes qu'on doit utiliser justement pour, pour cultiver justement notre santé spirituelle. Donc oui, pendant le temps de la pandémie, à plusieurs reprises dans la journée, je pouvais être envahi d'une vague de stress. À ce moment-là, c'est le temps de, de cultiver mon être intérieur, d'utiliser les bonnes armes et je retourne devant Dieu et je dis « Ok Dieu, il y a quelques, je vis quelque chose qui est difficile émotionnellement et psychologiquement, j'ai besoin de ton aide pour cultiver quelque chose dans ma vie. » Et en, en travaillant avec Dieu, en accueillant cette souffrance avec Dieu, en disant « Dieu, il y a un fruit qui doit sortir de cette anxiété-là, Dieu a permis de me Faire découvrir des choses. J'ai appris à travailler ma confiance en Dieu. J'ai appris aussi à déraciner des idoles. Je me suis rendu compte que, je m avant la pandémie, je me rendais pas compte que l'argent et l'économie prenaient de la place parce il n'était pas mis à l'épreuve, cette idole-là. J'ai développé ma confiance, j'ai déraciné des idoles, puis j'ai appris aussi à porter le regard davantage sur les choses les plus importantes et prioritaires que les choses plutôt terrestres et éphémères. Ensuite, les, les, le temps a passé. Au travail, très concret, au travail, je vis des conflits avec des gens. Au début, ça, ça, ça commence, je commence à les accumuler. Je veux pas trop affronter les conflits, fait que je fais juste les, 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 les balayer sous le tapis. J'accumule les conflits, ça, ça mine ma santé. À Un moment donné, je suis obligé de m'arrêter pour réaliser, ok Dieu. Je vis des contrariétés euh, relationnelles. Maintenant, je veux que tu agisses. Et Dieu m'a permis de réaliser que j'avais des problèmes. J'avais des problèmes dans le sens où, quand j'avais un conflit, je, je n'étais pas proactif à aller voir les gens et parler directement. Je n'étais pas proactif à aller régler, juste parler d'un conflit avec quelqu'un. Tout d'un coup, on dirait que la, la tension s'en va, puis finalement, tu es moins fâché, justement. Je n'étais pas proactif à aller régler immédiatement les situations. Je n'étais pas proactif aussi à pardonner, aimer et faire grâce. Dieu a travaillé ça dans ma vie. Je n'étais pas proactif aussi à être dans la, dans, dans, dans la, dans la réjouissance et l'action de grâce plutôt que la complainte. J'étais tout le temps dans la complainte et à un moment donné, Dieu m'a fait réaliser que j'avais beaucoup plus de raisons d'être reconnaissant pour les gens autour de moi, pour mon travail, pour mes collègues. J'avais beaucoup plus de raisons d'être en action de grâce et reconnaissance que d'être dans la complainte. Dieu m'a permis de travailler ça soit proactif à régler, à faire grâce et à être dans la reconnaissance. Des situations où Dieu m'a travaillé et développé des choses parce que vraiment, littéralement, dans mon quotidien, je me suis dit, je vais appliquer ça. J'ai besoin d'appliquer ça dans mon quotidien. Chaque contrariété, puis les gens qui me connaissent, ma femme va vous le dire, je suis quelqu'un qui qui, qui n'aime pas la contrariété, j'aime pas quand les choses fonctionnent pas comme je veux, je suis rigide. Mais je m'arrête à ce moment-là, puis je me dis, OK, il faut que je laisse, j'ai quelque chose que Dieu dois travailler dans ma vie puis je vais avoir besoin de ça afin qu'il ne me manque rien pour que j'atteigne la maturité spirituelle nécessaire pour être persévérant jusqu'à la fin et ça c'est une grâce de Dieu dans ma vie dernièrement cet hiver cet hiver je crois que c'est l'hiver où j'ai eu le plus puis c'est peut-être la même chose pour toi à la maison c'est l'hiver où j'ai eu le plus de grippe et de rhume de toute l'histoire de ma vie aux deux semaines je suis malade À un moment donné j'étais plus capable j'étais tanné j'étais mal de partout dans mon lit puis je me disais c'est juste une grippe, c'est juste des grippes et un rhume. Et pourtant, ça vient tellement me chercher, j'étais tellement fâché. Je dit Dieu, tu dois me il y a quelque chose à me travailler là-dessus parce que peut-être un jour, je vais être beaucoup plus malade que ça. Peut-être qu'un jour, il va me manquer beaucoup plus de santé que ça dans ma vie, puis je vais devoir avoir ce qui est nécessaire spirituellement comme maturité pour passer au travail je me suis dit, Dieu, dès maintenant, c'est juste un rhume qui est juste très gros, mais à travers ce rhume-là, Seigneur, je veux développer plus de reconnaissance pour ce que tu fais dans ma vie, pour la santé, puis pour toutes les choses que j'ai de toute façon que je prends pour acquis. Je dois développer ma reconnaissance. Je dois développer ma dépendance aussi à toi. Être dépendant, des fois, c'est correct de s'arrêter, c'est correct de ne pas pouvoir tout faire, c'est correct de perdre la santé. Seigneur, je dois développer ma reconnaissance, ma dépendance, et encore une fois, je dois arrêter de toujours regarder juste aux choses terrestres, éphémères, et regarder plutôt aux choses célestes, éternelles, Dieu redonne un sens à nos souffrances. Dieu peut agir à travers nos souffrances et Dieu prend tout ça et nous mène vers quelque part. Dans nos contrariétés quotidiennes, commencer à les voir comme des opportunités, des occasions de Dieu de laisser Dieu nous travailler, comme aussi dans les grandes souffrances que l'on peut vivre. Vous savez, il y a des grandes souffrances des fois qu'on a la misère à expliquer. Quand j'étais pasteur jeunesse pour la première fois de ma vie, il y avait un jeune qui avait une forme de sclérose en plaques très agressive et rare. Il était jeune, il était quadraplégique. Tout le monde autour aurait pu se demander, mais à quoi ça sert cette souffrance-là Et il est mort assez jeune, il est mort dans la jeune vingtaine. Et dans n'importe quelle autre famille qui n'aurait pas eu cette foi cette identité chrétienne, on aurait pu avoir l'impression que c'est simplement du gaspillage. Mais ce jeune était tellement une source de bénédiction incroyable. C'était mon premier mandat de pasteur et j'avais ce jeune qui, avait, qui était, qui était, qui était quadriplégique, qui était malade. Et pourtant, c'était mon jeune le plus fidèle de ma jeunesse. Il était là tous les vendredis soirs. Sa présence, et il, y avait tout quelque, il y avait plein de choses qui fallait synchroniser. Là. Le, 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 le lift adapté, la préposée, les infirmières qui devaient s'occuper de lui. Le, il y avait beaucoup de choses à synchroniser. Mais lui il faisait tout cet effort-là pour être là, pas juste les dimanches, mais aussi les vendredis soirs. juste d'être là. Après, les jeunes autour de, de lui, là, tu te sens un peu mal de ne pas venir à la jeunesse quand tu vois tout ce que lui fait pour être là. Sa présence seulement était une prédication pour toute la jeunesse. En plus, il était toujours en train d'évangéliser de, de, et d'être en mission. Il amenait ses infirmières, ses préposés il essayait même de faire en sorte que le, 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 le monsieur qui conduisait le véhicule adapté vienne à la jeunesse. Il était vraiment un missionnaire et un évangéliste. Et il était quelqu'un d'encourageant. Tout le monde qui allait le voir, nous, les pasteurs, on allait le visiter en se disant faut l'encourager. Mais c'est lui qui nous encourageait, même juste. Jusqu'à la fin, sur son lit de mort, c'est celui qui encourageait tout le monde autour de lui. Ce, 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 ce jeune homme-là était dans une grande souffrance. N'importe quelle autre famille, ça répète une souffrance qu'on n'aurait jamais compris le sens, une souffrance gaspillée. Et pourtant, il a été une source d'encouragement pour une jeunesse, pour des pasteurs, pour des gens jusqu'à la fin. Et, et son témoignage a été utile dans le passé. Sa mémoire est encore utile, encore aujourd'hui. Et, et présentement, il est en train de célébrer la joie et la gloire de Dieu dans sa présence. Et tous ceux qui l'ont influencé dans sa vie, un jour dans le futur, célébreront avec lui à ses côtés la gloire d'un dieu sa gloire et sa joie puis ça c'est juste quelques petites affaires que je vois parce que même John Piper a dit un jour Dieu fait dix mille choses dans notre vie mais on, on en perçoit juste deux ou trois à la fois il y a peut-être encore une multitude de choses qui nous sommes encore inconnues de pourquoi Dieu a permis cela dans sa vie mais Dieu fait quelque chose Dieu agit Dieu donne un sens Dieu mène ça vers une destination de gloire et de joie et c'est ce que je c'était la parole de Dieu pour aujourd'hui mon frère et ma sœur je t'invite je t'invite à... à, à à approcher l'épître de Jacques avec une foi qui est renouvelée, avec un intérêt captivé pour ce que le demi-frère de Jésus a nous enseigné. Je, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à mettre ta foi en Jésus, en ce qu'il a fait à ta place, afin que tu puisses devenir un enfant bien-aimé de Jésus, que, tu, que Jésus puisse te racheter et que maintenant tes contrariétés puissent avoir un sens en lui, puis mener vers son plan de manifestation de sa gloire. Et je prie que au quotidien la bonne nouvelle de Jésus devienne sagesse pratique et que tu puisses voir toutes les contrariétés de ta vie comme des occasions de glorifier le. Le Seigneur. J'espère que ce message t'a permis d'en connaître plus sur Jésus. Si tu désires en savoir plus sur lui ou sur notre Église, je t'invite à nous écrire à info-commercial-église-le-portail.com. Un membre de notre personnel te contactera dans les plus brefs délais afin de prendre du temps avec toi. En terminant, Merci de votre soutien à l'œuvre de Jésus par la prière et par vos dons. Il continue à sauver et transformer des vies. Votre soutien est important et contribue à notre mission qui est d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Si vous désirez nous soutenir, vous pouvez le faire directement via votre institution bancaire ou en nous écrivant à Don. Au pluriel, à commercialedisleportail.com Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle et excellente semaine avec la grâce du Seigneur.